Jouez à l'heure à l'appel avec le magazine Télé Loisirs. Pour l'instant, c'est une émission comme il s'en est passé toute la semaine. Elle est quotidienne et en public. Donc, comme vous le savez, il n'est pas possible de nous téléphoner. Par contre, en faisant le Minitel 3615 code TAFIN, eh bien, vous aurez la possibilité de gagner 10 000 francs si vous avez les 4 chiffres qui vont suivre les 4 que vous connaissez actuellement. Voilà, 10 000 francs à celui qui aura, dans le public, remporté... Remporter la tombola. Donc à la fin de l'émission, tout le monde a un papier à crayon, vous mettez les 4 chiffres, on fait un tirage au sort et celui qui aura eh bien, le bon numéro viendra ici nous faire un... Voilà, striptease tout de suite. Je vais me faire les implants. Ça va me faire les implants parce que déjà bon comme... Ouais, poupougne, ça va bien. Mais si vous voulez participer à cette émission... T'es complètement fatigué toi hein, maintenant, hein? Regarde-moi là. T'as mis une combinaison de plongée, ils t'ont tous badigeonné ou quoi? Ou alors c'est les chiens qui te pissent dessus, je sais pas. Si vous voulez participer à cette émission, vous composez le numéro de téléphone qui défile au bas de votre écran et on se fera plaisir de vous recevoir, soit en tant qu'invité, soit en tant que candidat. Seul, elle s'en sort pas. J'ai besoin de vous tous. Dis donc, t'as fait tout ça dans la nuit? Oui, t'as vu. Allez, les lignes, Marie-Thumée. Bonsoir, Céline a quelque chose aussi à vous dire ce soir. Bravo les bleus, bravo les blancs. Donc chacun d'entre vous rapporte un an au magazine Télé Loisirs. Et n'oubliez pas que notre partenaire presse vous donne toujours une possibilité supplémentaire de gagner de l'or à l'appel. Exceptionnellement, notre tirage au sort ce soir sera hors antenne sous le contrôle d'un huissier. Et si votre nom défile en bas de l'écran ce soir, vous gagnerez la somme de 10 000 francs. Et à partir de la semaine prochaine, nous vous offrons également 10 000 francs. Alors, il vous suffit tout simplement de découper le bulletin Télé Loisirs de cette semaine. Vous pouvez aussi le recopier sur papier livre et envoyer-le avant samedi minuit à l'adresse qui se trouve en bas de votre écran. A bientôt. Bon, ben merci les filles, merci les gars. Salut à vous. Allez les mimes. Je sais bien évidemment que cette histoire va en faire rire. D'autres ne vont pas rire, d'autres vont être choqués et d'autres vont être carrément outrés. Sachez d'ores et déjà que cela m'est totalement égal. C'est important que vous le sachiez. Voici le lièvre et la tortue. Version la gaffe. Le lièvre et la tortue décident de se mesurer dans un duel sans merci. Et au petit matin, à l'aube, ils se mettent tous les deux sur la ligne de départ. Ils attendent que le soleil se lève. Il est 5 heures. Paris s'éveille. Je n'ai pas sommeil. Ils sont tous les deux là comme ça. Et puis d'un coup, il y a le lièvre, il regarde la tortue, il lui dit « Dis donc, toi, t'as pas de cheveux ?» La tortue, elle fait « Non, j'ai pas de cheveux. » Bon, c'est pas grave. Ils se remettent sur la ligne de départ comme ça. Et puis le lièvre, il fait « Dis donc, toi, t'as pas de sourcils ?»
Il dit non, j'ai pas de sourcils. Oh, c'est pas grave. T'as pas de paupières non plus. Et là, j'ai pas de paupières. Mais j'y pense, dis donc la tortue, t'as pas d'oreille? Il dit, ah ben non, j'ai pas d'oreille. Bon, on y va. Une dernière chose, t'as pas de nez non plus. Il dit non, j'ai pas de nez, j'ai pas de cheveux, j'ai pas de sourcils, j'ai pas d'oreille. Bon, on y va? Ouais, on y va. Dis donc la tortue, t'as la peau toute fripée, toute plissée, toute cramoisie? Il dit oui, j'ai la peau toute plissée, toute cramoisie, j'ai pas d'oreille, j'ai pas de paupières, j'ai pas de cheveux. Et le lièvre, il regarde, il fait, oh ben, je cours pas contre Niki Lauda, moi. Hein. C'est une histoire qui a déjà quelques années dans le milieu de l'automobile. Allez, le chiffre de l'inning correspond à l'heure à laquelle devrait partir la course entre le lièvre et la tortue. Qui va nous téléphoner? Ben personne. Ben là, ils vont pas téléphoner, les gens. Ils vont pas téléphoner. Pendant une minute, on va vous passer des extraits du meilleur du pire. En vous rappelant qu'un de ces quatre, il y en aura un grand complet. Et pendant ce temps-là, eh ben, on va relever les copies du public. Et juste après, le tirage au sort et les gains de 10 000 francs. A tout de suite. Ça merdouille. Ah, sortez-le de la voiture. Sortez-le de la voiture. Ah, je pleure de rire. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, nous sommes en direct et parfois nous avons quelques petits problèmes. Et là, il est coincé sur le toit. On s'en sort bien, il n'y a pas le feu. Voilà. Oh, de découvrir quelque chose. Quand vous vous asseyez sur une tortue, elle devient sourde. Saute. Voyez. Allez, dernière partie de cette... alors à l'appel, l'huissier a fait le tirage au sort. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous allons vous révéler qui, dans le public, a gagné la somme de 10 000 francs. Cette personne aura la gentillesse de faire le déplacement jusqu'à moi-même. Et après le générique, eh bien, vous aurez la personne qui aura gagné les 10 000 francs de l'émission. Mesdames et messieurs, roulement de tambour, affichage du nom Pascal Chourac. Un. Oui, non, on ne s'embrasse pas. Hein. Pascal, parlez dans la sucette. Bonjour. Comment ça se dit? Dvorak. Dvorak. Oui. C'est de quelle origine? Polonaise. Ah, Dabrusta Frusta Frit, Traudotopnika Folknikarbushki. Ah. Et vous êtes polonais d'origine? Oui, de mon père. Ah, je suis désolé, vous ne pouvez pas gagner les 10 000 francs. Ah bon? Eh non, c'est pas possible. Non, monsieur, c'est une émission française faite pour des Français. D'origine et de touche française. Mais puisque vous m'êtes sympathique, on va faire une exception. Merci. Pascal Dvorak, bravo, merci d'être venu dans l'heure à l'appel. Vous retournez dans le public et on va vous donner votre chèque de 10 000 francs. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir participé à cette semaine d'émission qui n'était pas en direct. Je vais demander aux deux équipes de venir nous retrouver. Les gaffes, venez nous retrouver. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et on se retrouve dès lundi pour une émission quotidienne en direct et en public. Ciao, bye bye, à lundi. 5, 4, c'était l'heure à l'appel avec le magazine Télé-Loisirs. Avec les supermarchés Shopee, vous pouvez compter sur l'heure à l'appel.